Nous avons pris beaucoup de plaisir à préparer cette manifestation qui développe les compétences d'oral qui sont vraiment très importantes aujourd'hui. Et si possible, en plus harmonieux, qui nous ont dit. Et même de même que c'était urgent, qui nous ont dit. Donc ces deux journées, il va y avoir des interventions dans les classes. Il y a des temps aussi sur la pause méridienne qui sont prévus pour la lecture. Et également sur les récréations, les élèves pourront lire les textes de leur choix à leurs camarades pendant ces temps de pause. Je te promène n'importe où, un soir, par hasard, sans railler. Elle embraille les envies, elle déchaîne les ennuis. Si on a pris ces textes-là, c'est parce que c'est des textes qui on pensait rentrer bien dans le thème et aussi qui permettaient qu'on s'amuse sur différents registres. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ait choisi plusieurs registres comme ça. On a pris beaucoup de textes solo aussi pour laisser à tout le monde l'occasion de s'exprimer sur ce qu'ils voulaient, etc. On a pris des accessoires du quotidien pour faire l'estrade. On a pris des tables basses qu'on a trouvées pour rameuter du monde. On a essayé de faire un peu comique avec des harmonicas, tout ce qu'on a pu trouver. Ben, j'espère que la manifestation va prendre de l'ampleur et que l'an prochain, elle sera reconduite. C'est quand même un beau projet et qui demande à prendre justement beaucoup d'ampleur dans les établissements.